Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la sortie de la troisième histoire que j'ai pu illustrer pour l'éditeur Wishberries, qui est un éditeur qui s'occupe de créer des histoires interactives et numériques. Cette histoire s'intitule Le foulard à pois. Le texte est signé d'Eric Cobran et c'est moi qui ai fait les illustrations, comme je vous l'ai dit à l'instant. Cette histoire, elle est sortie en décembre 2023. Elle est disponible sur la plateforme Wishberries. Vous pouvez soit l'acheter, soit prendre l'abonnement au site pour découvrir les autres histoires, pas seulement celles que j'ai créées, mais celles d'autres créateurs du site. Si jamais cette histoire vous intéresse, sachez que je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc juste sous la vidéo, histoire que vous puissiez aussi découvrir tout le catalogue des éditions Wishberries. Et c'est une histoire que j'avais beaucoup aimée au niveau du texte, que je l'avais trouvé très, très intéressant sur le jeu au niveau de la narration, sur les jeux par rapport aux rimes aussi. Et je trouvais qu'il y avait un petit côté un peu poétique à l'histoire, quelque chose d'assez original et d'assez intéressant. En plus, ça parlait d'automne, donc forcément, j'ai sauté sur l'occasion quand l'auteur m'a proposé ce texte à illustrer. Donc j'espère que le résultat pourra plaire au plus grand nombre. Et si vous êtes en train de paniquer à vous demander qu'est-ce que c'est que cette histoire de foulard, de pois et d'automne, je m'en vais vous raconter le résumé. Et pour vous lire ce résumé, je vais directement à la source puisque je vais vous lire le résumé qu'il y a sur le site. L'été s'en va et cède sa place à l'automne, à son vent froid, ses feuilles tourbillonnantes, ses nuages emplis de pluie et un curieux foulard à pois. Mais à qui peut-il bien appartenir? C'est le mystère qui préoccupe un berger, une fermière et un pêcheur. En plus du résumé, je vais vous laisser ici avec quelques images, quelques dessins, quelques croquis, le storyboard aussi, bref, quelques coulisses de la création. Et si jamais vous avez envie d'une vidéo plus longue, plus poussée sur mes différentes collaborations pour les éditions Wishberries, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. Je sais qu'il y a très longtemps, on m'avait déjà fait cette demande par rapport à ça et j'avais noté l'idée sans jamais vraiment avoir la possibilité malheureusement de m'y atteler. Mais comme cette année j'ai envie de faire des vidéos un petit peu plus coulisses de création, un petit peu plus méthodologie ou astuces, conseils, peut-être que vous serez intéressé. Donc manifestez-vous en commentaire. Je vais donc vous laisser ici avec quelques illustrations, quelques croquis et même un extrait de cette histoire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne semaine. Bref, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye! L'été, plein de gaieté, s'en est tristement allé. Et déjà l'automne, bien monotone, fanfaronne. Soufflant ses nuages tristes et son vent froid, ses tourbillons de feuilles mortes et un foulard à pois.